Regardez, ça bouge. C'est stylé, en vrai. On est parti. Pour découvrir, du coup, une petite démo d'un jeu horreur silentilesque, apparemment, qui s'appelle Faye Distant Daydream. C'est une démo, du coup, les options, on n'y a pas le droit. Mais c'est pas là. Alors, mouvement, blablabla, interact, confirme ses spaces, ok. Alors ça a l'air de pouvoir jouer à la manette, mais moi je joue au clavier plutôt. Revenez avec des grenouilles, payez avec des grenouilles. Ah, tu l'as fait. Ce truc, c'est ma beat unfinished. Enfin, avait l'air un petit peu, voilà, pas fini, mais maintenant ça a l'air de marcher. Je te demande en particulier d'utiliser un spécial cadeau de vérité après Zal. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Ce plan est parti sur de différentes incarnations. Donc je suis vraiment content que finalement on ait l'opportunité, mon cher ou ma chère. Où ils sont ? Ah, j'ai plus de son. Attendez. Ok, considère quoi que c'est ton premier essai. Ok, tu seras pas le plus le visiteur le plus amusant. Dans quelques secondes, tu vas te réveiller. Ah putain, mais en fait, on est peut-être pendant une séance d'hypnose ou de. C'est bizarre. Dans quelques secondes, tu vas te réveiller dans un manoir. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Ok, je te fais confiance sur tes habilités à me répondre. Ok, vous vous sentez comme si vous vous réveilliez d'un rêve. That you can muster enough willpower to form a single question. Ok, on utilise du pouvoir pour créer, pour poser une seule question. Alors, qu'est-ce que je peux demander ? C'est très bizarre ce début en tout cas. What do I do ? Qu'est-ce que je fais ? Qui êtes-vous ? Pourquoi vous m'appelez cher ? Est-ce que je peux rentrer chez moi ? Est-ce que je peux rentrer chez moi ? après qu'on ait fini ici, bien sûr. Tu n'es pas particulièrement en danger, mon ami. J'ai le requis juste ton aide. Il est étrange ce téléphone rose, oui. Est-ce que vous avez de la monnaie ? La question à 1000 balles. Est-ce que vous avez de la monnaie, s'il vous plaît ? On dirait que tes souvenirs sont un peu embrumés, on va dire. Mais... T'auras plein de questions à me poser. Ok, maintenant, réveille-toi et regarde les réponses. Ok, on se rencontrera plus tard. Coucou Rick, tu vas bien? Ok. Regardez, nous sommes à Rimaison, hein, clairement. À Rimaison. Et sa tête en trois dimensions, à Rimaison. Ouh. Ah, c'était quoi ce petit... Je me relève et je danse la salsa en même temps. Petite chambre. Bon, clairement, c'est très inspiré à Silent Hill, vieux... vieille PlayStation, etc. Eh, mais c'est très fluide, en tout cas. Ouh. On est sans cousin, Harry Appart. Après Harry Maison, Harry Appart. Ok, un dressing. Ok, il se porte bien. Bah écoute, je suis ravi qu'il se porte bien. Ah, c'est très bizarre, je dois choisir ici. Hein. Est-ce que vous voulez que je décale ma cam ? Est-ce qu'elle vous embête ?
dresseur, wooden casquette, je sais pas ce que c'est. Ou alors le miroir, regarde le miroir. Ok, c'est un petit miroir pour se maquiller. J'entends un faible chuchotement qui vient de là. Qui joue de la cymbale derrière moi? Vous entendez la cymbale? Effectivement, ta cam est devant les propositions. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Attendez, je vais la bouger. Hop. On va la mettre. Voilà. De l'autre côté. Pif. Voilà. Alors, il y a... Parce que oui. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah, il y a une petite serrure. Ah, c'est très bizarre d'interagir comme ça. Coucou être aussi, tu vas bien. Je kiffe les graphismes, caca. Bon, on aime bien nous aussi. Hein. Ok. À chaque fois qu'il regarde un meuble, Harry appart. Donc on va l'appeler comme ça. Il me dit genre, c'est en bois de noyer, c'est bien conservé. Non, c'est un beau meuble, hein, vraiment. C'est comment il s'appelle l'autre là qui c'est les émissions là d'appartement là. Merde, j'ai oublié. Impressionniste, voilà, une peinture impressionniste. Je peux regarder un peu plus. Les deux sœurs. Ça a été ça a été peint en France dans le printemps 1881. Il y a une description pour chaque truc. C'est un type qui joue du triangle dans le meuble. Ding. On peut demander au monstre de la monnaie. On va demander... Là, ça va être le stream de la monnaie. Donnez-moi de la monnaie. Je veux des pièces. Vous avez de la monnaie sur un billet de 20? Ah. Ok, donc je suis déjà bloqué dans la pièce. D'accord. Par contre, le jeu est très très fluide, c'est très agréable. C'est vraiment pas comme Silent Hill en mode je conduis un camion, quoi. C'est vraiment... Impressionniste peinture, encore. Okay. Ah, c'est un Monet, attention! La femme avec un parasol. C'est vrai qu'il est joli, ce tableau. Madame Monet et son fils. Ah, ça doit être une reproduction... Après, je vois pas forcément de différence bizarre. C'est notre monnaie. Ah, mais oui, je suis con. Rends-moi ma monnaie. Ok, il y a un coffre. En bois. Ouais, y a des petits stickers dessus. Ça doit être les miens. Oh non, il faut un code. Ah, mais attends, j'ai eu deux dates là pour les tableaux. Bah, y a quelqu'un qui passe à tondeuse, non? J'entends des bruits bizarres. Ah, mais il est là, le petit meuble en bois. Je le voyais pas, mais il est juste là. En tout cas, c'est vraiment ambiance jersey. Hein. Coucou Néan, tu vas bien? J'ai pas eu le temps de répondre à tes messages dernièrement, je suis désolée, c'est la course totale. Je prendrai le temps de te répondre comme il faut la semaine pro, je pense. Pas que tu m'en veux pas. Ah, une table de nuit... Ok, alors il est en train de dire que ça coûte 23$. Non mais... Okay. Harry. Ah, c'est fermé. Le tiroir est fermé. Un lit. Il a l'air raisonnablement confortable. Très bien, monsieur. Et que comme dit, tu vas bien. Car monnaie, on peut se faire pas mal de monnaie. Mais oui. Pas que t'as une tia... Ah, c'est le bruit de la lampe. Oh, le bruit que ça fait, on dirait un gros moustique. Mignon. Ouais, j'essaierai bien une des deux dates, là. Voici la date française. Française. C'était quoi, 1881? Vas-y, on va essayer ça. J'ai pas de tire-bouchon, je veux dire. De tire-lire cochon, mais j'ai un petit truc pour la monnaie, même si j'en ai pas beaucoup. J'ai dit 1881.
Alors. J'essaye au pif, hein. Hop. C'est ça? Eh ben alors. Eh bah, est-ce que c'est le monnaie? C'est forcément la monnaie. 1875. Ah, attends, mais il y a un truc là aussi. Je sais pas regarder. Un calendrier avec une photo d'une vallée. Décembre 1900. Ah, il manque l'année et apparemment ça serait peut-être un 5. Alors, je vais peut-être plus essayer ça alors. 1995, ça ferait. C'était en 1995. Eh ben non. Purée. Attends, j'ai encore oublié le code. C'est quoi celui-là? 1875. Bah, j'espère que c'est l'autre parce que sinon, je ne sais pas. 1875. Eh ben non. Ah oui, attends, l'horloge, j'ai pas regardé l'horloge, ouais. The clock ting. Ok, ça fait cling cling, mais les aiguilles, elles bougent pas. Look like it's a quarter to burn. Hein? Ah. Ah, d'accord. Là où le 5 est supposé être, le chiffre 5, il y a une espèce de marque de brûlé. Eh ben, il y a un 5 là. Il y a un 5 là. 1955? Ouais, il y a un délire avec le 5, ouais. Ouais, je vois pas en quoi ça m'aide, hein, ce qu'il raconte. Faut que j'essaie 1877. C'était ça? Bah attends, j'ai rien compris. Attends, mais quoi? Mais nous, on était partis sur des 5. Pourquoi? Attendez, attendez, que tout le monde s'arrête. Pourquoi c'était... Pourquoi 1877? J'ai pas suivi. On a trouvé que des 5, nous. C'est pourtant si simple. Mais en quoi c'était simple? S'il est brûlé, c'est pas ça. Il a voulu nous tromper. Ben, je sais pas. J'ai rien compris. Il y a juste une lettre avec un simple bien joué. Enfin, bon boulot. Et il y a une petite clé en bois. J'ai pas compris. Eh ben, écoute, merci Mouni pour la soluce. J'ai pas compris du tout. Bon, suivant. Alors, je sais pas si j'ai un inventaire ou pas. Il a trouvé quoi? Des gants? Ah non, des lunettes, pardon. Elles sont un peu spéciales. Ouh! Les lettres bougent! C'est forcément spécial! Ok, des lunettes à effet. Il y a un petit miroir. Attends, je peux attendre quelque chose dans le miroir. Vous recevez votre premier effet. What? Attends, mais c'est le miroir qui me parle du coup. Ok, je comprends rien. J'ai compté les années entre les tableaux à l'aide du calendrier. Oh! What? C'était ça?
Ok, bon bah, bien joué. Coucou fumeur du McDo, tu vas bien? Ok, tes items magiques. Reste avec toi. Le miroir est en éteint. Il a un effet unique, plus utile que les autres. Oh là là, mais il y a trop d'informations en même temps, quoi. Ok, j'ai oublié de te dire ce que c'est exactement. Mais ça sera pas difficile à warp your head around. Je peux l'équiper avec tab. New effect mirror. Bouah. Si tu veux me parler encore, équipe le miroir et presse effect key. Eh ben. Alors attendez. Donc j'ai des lunettes. Elles ont l'air parfaitement normales. Once worn by a careless pickpocket, lost. What? Attends quoi? Le miroir il reflète pas d'image en fait et du coup c'est là où il y a un mec qui me parle. Donc là j'ai mis les lunettes, c'est ça? Ouh, ça fait quoi du coup? Ah! Oh, je veux des trucs cachés! A bed. Mais non, mais regarde sous le lit. Bientôt prête pour ce week-end. Oui, bientôt. J'ai encore des trucs à faire un peu demain. Mais et puis installer le stand et tout, mais c'est un peu la panique, mais ça va. Ah, et voilà, il y a quelque chose qui brille en dessous du lit. Bah oui, prends-le. Et coucou Lauriane. C'est ta vidéo YouTube, c'est super à suivre. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Bah bienvenue à toi. J'en referai peut-être d'autres, des vidéos comme ça, un peu réaction. Bon, oui, bon, complètement en réaction en fait. Mais sur des trucs d'horreur et tout. Hein. En vrai, c'était cool. C'était rigolo. Ok, il y a une clé. Je peux presque l'atteindre. Je l'ai. Ah, genre, c'était compliqué. Waouh. Faut un calendrier pour finir le jeu. Mais j'avoue. Ah, je pourrais enfin sortir de cette pièce. Attends, il y a un truc là-haut. C'est fermé, on voit quelque chose en haut. Mais it's too high to reach. Oh bordel, saute. C'est trop. Ah, on dirait un rasoir ou une lame. What? Je peux pas monter sur le coffre et Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte sa life. C'est ouf. Qui va dodo? Ah, Bonu Coco et Bonu Luna. Sur le tableau? Ah ouais, ça peut être intéressant. Non, c'est pareil. Bon, et bah sortons. Alors, voyons, voyons. Mon dieu, on est juste sorti de la première pièce du jeu. Incroyable. C'était compliqué. Le jeu est plutôt joli, hein. C'est pas. Enfin, il est joli dans son aspect vieux jeu, quoi. Dining hall. Toujours des musiques très très chill. Peut-être enlever les lunettes quand même et les remettre après, non? Pour plus avoir l'effet, là, voilà. C'est quoi ce bruit? Ah, il y a une fenêtre qui bouge. What do you like to talk about? Ah, je parle au miroir. Non, je. Ah, du coup, je peux parler? Oh, ok. Non, je veux pas te parler. Oh, c'est bon, la flemme. Ok,
Que quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte et la pluie rentre dedans. Ah, du coup, je l'ai fermée. J'ai voulu la fermer, j'ai récupéré un long oak branch. Qu'est-ce que ça peut être utile? C'est quoi, c'est... Une branche? Ah, ça c'est... Ah, ok. Oui, c'est une branche, ouais, c'est ça. Ok. minutes pour sortir de la chambre, pire que moi, bête. Non, je suis assez rapide à me lever. Enfin, une fois que je suis réveillée. Parce que, par contre, la phase de réveillage est compliquée. Avec le télétravail, je sors pas de la chambre. Ah, je comprends. Ok, c'est fermé. Il peut pas juste dire c'est fermé, plutôt dire « Ah, c'est bizarre, c'est fermé, mais cette porte en bois est très confortable. » Et puis... Quoi? Ok, peut-être en explorant le manoir, je trouverai une clé. Ah oui, ça a foutu plein de flotte partout. Voilà, mais qui va faire le ménage encore? Eh ben, c'est pas moi. C'est fermé. Ok, c'est peut-être une là-bas. Oh, occupé! Quoi? Je suppose, oui, c'est une base. C'est les toilettes. Ok, il y a quelqu'un, quoi. Ah, par contre, je suis impressionné hein, par... Oh, il y a même le bruit du tapis. Le jeu est très smooth, c'est hyper agréable, il se joue très très bien. Par contre, il y a trop de texte. À l'aide. Bon, je vous traduis pas ça, il raconte n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Voilà, il dit que genre c'est vieux et que machin. Voilà, tout ça pour dire, oh là là, quel beau... Le mec il parle diplôme pour dire, hé, c'est une belle cheminée quand même. C'est bien Harry, c'est bien. Ah, ça a l'air super confortable. Mais arrête, il va me rendre folle. Alors, est-ce que c'est statue un piédestal? Il y a un crâne dessus. Mais c'est pas un crâne ordinaire. On dirait un truc pour un film. Ok. Il y a encore une horloge. Critique décorative, mais grave. Voilà, c'est une réplique, on dirait, qui a 10 ans. Je m'en fous, Harry. Arrête. Alors, ça vient de Germanie. Il fatigue. Bah, ça s'est fait. Mais ah, il a rien à dire pour une fois, dis donc. Le tapis en poil d'ours démarré. Très bien entretenu. On peut voir que quelqu'un marche régulièrement vers le bord car il est légèrement retourné le sang si le sapin mouillé. C'est un beau tapis. Ah, apparemment, je pourrais pas rentrer ici. Hein. Ah, il y a une cuisine et plus de trucs dans le jeu final. Allez, je pète le le quatrième mur. Les devs me parlent. Oh, ce bruit de tapis, par contre. C'est fort agréable. J'aime beaucoup. Tain, par contre, ouais, non, les caméras, le... C'est... Non, c'est bien fait, hein. Vraiment. Okay, c'est pas important, est-ce que je devrais regarder quand même? Oui, bah vas-y. Voyons voir. Rumble. Rumble? Oh, un petit livre. Alors, les mémoires dans Shoring. Question commune. Est-ce que je devrais le lire? Pourquoi pas? On veut des strums. Ouais, bah moi aussi. Mais je sais pas où ils sont. Hein. Alors, écrit par Claire Hensley, 1966. Oulala. Oula, mais on va vraiment me lire un bouquin. Bla 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 bla. Oula, mais ça a l'air long. Oula. Oula, non. Je vais pas lire. Ah, c'était un bon livre, dis donc. Ah non, 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 non. Ah, il y a des traces de peinture et d'alcool. What? Ah, encore les devs qui me parlent et qui me disent « Ouais, ça sera pour plus tard. »
T'as pas encore lu, quand tu décris le livre démoniaque de Saint-Belzébuth, toute une thèse sur la démonologie. Franchement, ça me surprendrait pas. Il y a un énorme poisson ici. C'est d'un goût. Alors ça, c'est fermé. Au final, pour le moment, tout est fermé. Ah, puis là, il n'y a rien, en fait. Mais du coup, je suis bloqué? Non. Il y a un coat, il y a un manteau. Ok, bah cherchons dans les poches. Je suppose que j'ai commis assez d'intrusions. Et que du coup, que je fouille un manteau de plus ou un manteau de moins, c'est pas grave. Et bah voilà une petite clé. Silver Kitchen, et bah voilà. Alors, ça ouvre quoi? Ok, ça donne sur l'extérieur. Mignon. Ah oui, non, il y a quelqu'un aux toilettes. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excusez-moi. Faut peut-être que je remette les lunettes, par contre. Pour voir qu'il y a un truc au-dessus. Voilà. Ah, quelque chose qui brille. Essayez, voilà, de l'atteindre avec la branche. Ok, on a réussi à le faire... à le pousser. Box cutter with some earth drawn on it. Box cutter, ouais, c'est une boîte de lame de rasoir, non? Allez, je vais enlever, hop. Merde. Ah non, c'est... Ah oui, d'accord, c'est un cutter, ok. C'est un cutter. Manufacturé par Ainsley Blade en Canada. Non mais on s'en fout. Par contre, il y a du sang dessus, ça tu vois. C'est déjà un peu plus important. Bon. Je suis sûr qu'il trouverait un moyen de parler de meubles dans un livre de démonologie. Un moyen. Hein. Alors. Qu'est-ce que je peux ouvrir d'autre? Avec ma petite clé. Oh, quelle table merveilleuse! Oh putain. Ah, je me rappelle, ma grand-mère avait la même table. Sauf que voilà, elle était un peu rayée. Ok. Ah, mais attendez, j'ai pas essayé les lunettes. Peut-être quelque chose de craché. Ah! Ok, il y a un truc sur le sofa. Ah, il y a un truc à l'intérieur. Et je peux l'ouvrir avec mon cutter. Et oui. Oh non, ce fauteuil avait l'air si confortable et je vais être obligée de le trouver. C'est des meubles. Eh ben voilà, j'ai une autre clé. Petite clé. Ok, est-ce qu'il y a d'autres trucs cachés? Quelque part. Sur la table, y'a rien. Non, y'a pas l'air d'avoir autre chose. Je vais les déséquiper. Hop. Ah, mais... Ah, est-ce que avec la petite clé, je peux pas ouvrir le... Le placard là qu'il y a dans cette pièce. Ça là. Toujours pas. Ah mais attendez. Ah mais si on l'a ouvert la boîte. Si on l'a ouvert. Autant pour moi. Ouais on l'a ouvert là. Attends. Ah non. Je sais. Le tiroir là il était fermé aussi. Putain, c'est toujours fermé. Futur Neo, un serial killer, c'est un tueur de serial. Mais vous moquez-moi pour Kitchen.
Écoutez, je suis fatiguée. Je sais que la keychain, c'est un porte-clé, j'en ai vendu. En plus, j'en ai marqué keychain. Coucou Wachi, tu vas bien? Arrêtez de m'embêter, Je peux toujours pas aller au... Ah, ça va. Ah, bah voilà. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je rentre. Rien à foutre. Bon, il y a une cinématique. Bon, Harry veut vraiment aller aux toilettes. Hein. Attends, mais Harry a défoncé la porte. what is ord? Qu'est-ce qui est venu de la salle de bain? Attends, j'ai pas compris si c'était la porte, si c'était ouverte. Si c'est moi qui l'avais défoncé. Il est déter. Oh, il y a un canard. Mais non, mais regarde pas les vies, regarde le canard. Regardez ce beau canard. Il y a quelqu'un qui prenait sa douche. J'ai dérangé quelqu'un. Il y a plein de... Ah, on dirait qu'il y a une silhouette dans l'eau. Une petite silhouette. Mais il y a tellement de bulles et tout que je vois rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Alors... est-ce que j'essaie d'éteindre l'eau? Est-ce que j'essaye de scoop something out? On va essayer d'éteindre l'eau, peut-être. Ah. Ok, j'arrive pas à éteindre l'eau. Qu'on peut essayer de trying to scoop something out. Ok, on essaie de, je pense, d'enlever le... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Le truc. Non mais genre, j'arrive pas à trouver le petit machin à ouvrir, là. Votre peur, c'est qu'il y a un bon nombre de rubber duck dans le... La... Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je peux juste observer? Ah, ça continue de couler, couler. Il doit y avoir un drain? Bah oui! Ah bah voilà, et genre maintenant il le trouve. Mais n'importe quoi. Voilà la petite chaîne là qui est attachée au truc pour drainer. Et il y a pas de chaîne, oh bordel. Ah, je peux attacher... J'ai le silver chain sur moi, ah bon? Bon bah je vais... Oui. Ah, Song of Horror, oui, on s'était fait attaquer dans une baignoire, c'est vrai. Ok, on fait notre mieux et on attache la... La keychain. Donc, pas la clé, mais le porte-clé. Au petit anneau. Du truc de drain, là. Oh, ça y est! On tire un peu et... Eh ben, quel bazar, il faut juste vider une baignoire. C'est bon, on l'a fait. Ok, l'eau s'en va doucement. D'un coup, on entend un petit chuchotement. Bravo, bravo. Ouais, c'est pas bravo, mais vous avez compris. Ok, l'eau s'est arrêtée soudainement et magicalement de couler. Oh, pas haut. Oh, ça y est, je vous baille dessus. Mais c'est déjà 23h. Mais j'ai parlé combien de temps tout à l'heure? Alors... On peut voir ce qui se cachait du coup dans les bulles de savon. Plein de rubber duck. Mais c'est quoi les rubber duck? Parce que rubber, c'est les rubans. Et duck, c'est les canards. Les rubans de canards. C'est quoi? Suis-je bête? Mais rubber, c'est pas ruban? Ah, c'est des canards en plastique. Tu as parlé longtemps, mais c'était bien. Oh. Ouais, ça me fait plaisir. 1, 2, 3, 4.
20. Oula, oui, il y en a beaucoup. Whirlpool party. Ah ouais, mais il y en a sur les toilettes, j'avais pas vu aussi. Ah, rubber, c'est caoutchouc, plastique. Je dis n'importe quoi, du coup. D'accord, très bien. Eh ben, ça, je sais pas traduire. Oui, mais il y en a là aussi, là. Eh oui, il y en a deux sur les toilettes. Et il y en a un dans les toilettes. Et du coup, ouais, je peux rien faire avec eux. Je sais pas ce que je ferais avec un canard, hein, mais... Je vais mettre les lunettes. Oh, il n'y a rien. Quelle déception. Qu'est-ce que je fais avec les canards? J'ai toujours une clé qui m'a pas servi, je crois. Et qu'est-ce que je fais avec les canards? En tout cas, il aime beaucoup les meubles, hein, Harry. Ok, il y a... Il y a un espèce de placard blanc avec plein de compartiments. Ah! On va regarder celui de gauche. Ok, il y a des trucs pour faire des bulles. Celui de droite. Il y a des serviettes. Et il y a encore des ducks. Qu'est-ce que tu fais là, buddy? Mais oula! Où suis-je passé? Mais je fais quoi avec mes canards? Vraie question, hein. Qu'est-ce que je fais avec mes canards? En plus, j'ai toujours, je crois, une clé qui m'a pas servi, hein. Parce qu'il y a une personne en salle de bain qui veut absolument pas qu'on la dérange, plein de canards en plastique, ça prête à confusion. Ah, dit comme ça, oui, peut-être. C'est le modo, il y a plein de modos. Oh! Bah, c'est quoi ça? J'avais pas vu. Oh, désolé si je te fais peur. Ah, c'était lui qui était dans la salle de bain. Ok, j'étais en train d'arranger mes canards en plastique, enfin ma collection de canards en plastique. Laisse-moi me présenter. Je suis un shopkeeper. Un vendeur. Ok, je vends pas des pièces, mais du fun. Show me that you want, tu me montres ce que tu veux vendre. Et je te donnerai du stock. Je veux voir le feu dans tes yeux. Quoi? Bon, regardons, maintenant regardons mon inventaire. What the fuck? Il est nul ce strum. Je crois que c'est pas un strum. C'est pas un strum, je crois. C'est un peu comme dans Alissa, vous savez le vendeur là, qui a la marionnette là. Ok, wooden box, we have open design. Ah, il y a mon nom sur la boîte, ok, et il y a un seau. Ah, vas-y, je vais prendre la boîte. C'est adressé à toi, ok. Donc ça va être facile pour toi. Est-ce que tu peux vraiment apprécier la beauté de cette petite boîte? Mais ils ont quoi avec les meubles? How many free are visible? Ah mais il faut que je réponde à des questions. Combien d'arbres sont visibles à la fenêtre du couloir? Coucou Chris, tu vas bien? Merci beaucoup pour ton resub. C'est 26e mois, merci. Attendez, c'est quoi cette question de ouf? J'en sais rien. Moi, je dis 5.
Il vient d'arriver. Allez, au pif, 5. Il y a quelqu'un qui sait ? 4. Mais c'est quoi cette question de ouf ? La réponse D. 3. Super, vous dites. Mais 3, il n'y a pas en plus. 6. Je suis sûr que c'est 5. J'en sais rien. 6. Intéressant. Ah, c'était pas ça. Oh, combien il y avait de canards dans la salle de bain? Il y en avait 20 quelque chose dans les... dans la baignoire. Plus les deux qu'il y a sur les toilettes. Plus celui qui est dans le placard. Plus celui qui est sur la table. Donc il y en a au moins 4. Et après, par contre, dans la baignoire, vous vous rappelez combien il y en avait exactement? 26, toi, tu dirais? Attends, il propose quoi? Ouais, c'est dans les 20. Attends, il y en avait combien de 20? 1, 2? Il y en avait 21 dans la baignoire. Je sais plus s'il y en avait 21 ou 22. J'ai un doute. En tout cas, il y en avait... Oh, pardon. Ouh. Il y en avait au moins 2 sur les toilettes. Ouais, y a, en dehors de la baignoire, il y en a 4, c'est sûr. Entre 22 et 23. Oh, 25 ou 26? J'ai un doute. Il avait pas dit 21. 22. Et ben voilà. Et ben on a du fun. Et ben voilà, j'ai eu la mystery box. Attends, il y avait combien d'arbres du coup? Ouais, mais c'est quoi ces questions de ouf? Visible de la fenêtre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait 6 des arbres. Eh ben GG, moignon. Attendez, j'ai envie de récupérer le deuxième objet, mais du coup, il va encore me poser des questions à la con. Attendez, là, il y a 2 pots sur la cheminée, ok? Il y a 3 trophées. Là, il est quelle heure? Mais il dit pas. Super. Il y a 6 chaises. Il y a un poisson. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Cette physique. Vas-y, je veux le saut. Oui. Ok, on va devoir jouer un petit quiz. Allez, c'est parti. Just you show you really wanted. Ok, juste pour montrer que tu le veux vraiment. Quelle est l'année the sister painting. C'est le tableau français qu'on a vu au tout début. C'était 1995, c'est ça, non? Non, 1985. Ah oui, peut-être plus 1985. Ah bah. aucun de ça là. Merde. <rire> 85, ça vous dit quelque chose? Allez, on essaye. On a gagné? Ah, bah non, c'est pas juste. Tu vas prendre quelqu'un. Il me laisse un instant de réflexion pour réfléchir à mes conneries. Super, merci beaucoup. Bon, attends, c'est quoi la boîte que j'ai récupérée déjà là?
Alors apparemment c'est magique. Ok, ça peut pas être ouvert. Ah, je dois y brûler. Genre je dois y me jeter dans la cheminée. Ok, donc il va mettre la boîte dans le feu pour essayer de la brûler. Ok, vas-y. Ok, donc on regarde la boîte prendre feu. On peut voir une petite silhouette d'une clé. J'ai ramassé la clé ou pas? Ah non, j'ai pas ramassé la clé. Ah ouais, merde. Il dit bah mais je peux pas mettre ma main dans les flammes. Ah non, faut que je récupère le seau et comme ça je mettrai de l'eau dans le seau et puis... L'autre tableau c'était 75. Ah peut-être bien, ouais. Attendez, je vais vérifier quand même avant de... d'essayer de récupérer le... 2014. Dis n'importe quoi, Chris. Bon, c'est très smooth comme jeu. Hein. Je vous ai dit un jeu d'horreur. Ouais, 1875 celui-là. Il y a même le petit jazz, quoi. Et celui-là, c'était... 1881. T'as quelqu'un l'a dit, en plus. Ah, c'était Amélie qui l'avait dit. Allez. On va essayer de récupérer le seau. Et... Pss, pss. Ah bah, c'est la même question. 1881. Et bah voilà. Et bah voilà. J'ai un seau vide. On va les remplir. Ah, mais genre la salle de bain c'est fermé quoi. Est-ce que je peux le remplir dans l'évier? Hop. Ouais. Ok. Voilà. Je l'ai rempli. Hop, je vais éteindre le feu. Hop. T'es ta faute, t'as pas écrit assez vite. Ça manque de monstres un peu quand même. Ça manque un peu d'horreur. Ok. Bon, tu peux récupérer la clé le matin? Les flammes. Calmer mon âme. Quoi? Il est triste parce qu'on a éteint le feu. Il est chelou le mec. Ok. Ok. Ouais, j'ai une clé. Ça croustille. Les flammes sont mortes pour toi. Et ah, genre il parle à la clé. T'as intérêt à être utile et être utile, clé. Parce que j'ai tué des flammes pour te sauver. Ah, il me fume. Il est complètement fou. Purée, c'est toujours pas ça. Attends, marble, c'était marqué. Qui? Ah, bordel. C'est un jeu d'ambiance. Bah, pour le moment, c'est ambiance jazzy. Hein. Et ambiance déco. Purée, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Oh! Essayer la clé, mais oui! Ok! C'est bon, c'est dévoyé. What? Ah, la porte est dévoyée, mais ça ne s'ouvre pas. On dirait que ça a été glué. Le téléphone son! Le téléphone son. Ça ring, oui, bah oui, j'entends, oui. Ok, allons-y. Allô? Oh, tu l'as fait, waouh! Je t'ai dit que c'était un premier test. Ok, donc les choses vont s'arrêter là.
Je peux pas te laisser sortir, mais voilà, la prochaine fois qu'on se rencontrera. J'ai pas encore fini mes préparations. Je ferme tes yeux. Et voilà. C'est la fin de la démo? Coucou Apo, tu vas bien? Je te revois bientôt. Alors, je suis perplexe. Et le jazz est toujours là. Le jazz ne meurt jamais. Genre, l'environnement, le sound design, le gameplay. Enfin, le game. Non, mais le gameplay, justement, il n'y a pas grand-chose. Mais la maniabilité du jeu sont absolument délicieux. Mais à part du texte et des énigmes, il n'y avait pas grand-chose d'autre. C'est un peu la déception quand même. Ouh là là, disclaimer. Ouh là là, c'est quoi tout ça? Bon, c'est une démo, hein. Mais ouais, puis le côté horreur, il est où? Il est passé où?